J'ouvre la porte, j'entre, elle est juste devant moi. Elle a un cul, mais plus rafraîchissant qu'une pastèque en été. Tu vois le truc. Mais problème, bah voilà, elle se retourne, elle me sort un chibre, mais comme as, quoi. J'étais dégoûté. Donc voilà, résultat, bah, j'ai pas vu une meuf à poil de toute la semaine, quoi. Dites les gars, c'est normal qu'il n'y ait plus d'électricité là? Ouais, bah, envoie un message à Sam et puis tu lui signales le problème. J'arrive pas à le joindre. T'as essayé les DM Twitter? Dites, c'est normal qu'il n'y ait pas un seul tweet depuis hier, là? Il n'y en a même plus aucun à l'échelle mondiale. Il n'y a rien du tout. Putain, monsieur. Les gars! Il y a un problème, là! Merde. Vous croyez que c'est une invasion de... En tout cas, moi je peux te dire que si on était dans un film, c'est maintenant que je commencerai à paniquer. Vous avez vu la tête de la ville dans laquelle on est passé hier? Non, non, mais ça c'est normal, c'est Charleroi. Ouais. Mais... on fait quoi alors? Bah, quitte à rester planqué ici, on va aller chercher des provisions. Et des femmes à poil. Ouais. Oh mais ça va, on a des réserves. T'es un réserve? Sérieux? Allez, il faut qu'on sorte pour se ravitailler. Ah, t'es marrant, toi. T'as vu dehors? Comment on va se frayer un chemin? Bah, il nous faut des armes. Je commence à avoir faim. Je crois qu'on va pas avoir le choix, non? Il va falloir choisir quelqu'un et le bouffer, non? Pendant la guerre, on mangeait bien les chats. T'as ses pires, ça. Bah quoi, non, pas moi. Mais pourquoi pas toi? Vous m'avez déjà vu. Il nous faut un chat plus gros. Mais pas moi non plus. Mais pourquoi pas Seb, tiens? Bah Seb, il va être trop dur sous la dent. Da. Vous n'avez pas le droit, hein. Ah d'accord, ok, bah vas-y, viens me chercher. Vas-y, viens là, Annie, t'attends. Contre. Oh, pardon, j'étais perdu dans mes excellentes pensées. Principe de précaution. Regarde, c'est une femme à poil. Mais qu'est-ce que tu fous? On n'est même pas sûr qu'il soit contagieux. On n'est même pas sûr que ce soit des... c'est peut-être juste des gens bourrés, hein. Je rappelle qu'on est en Belgique. Ouais, et comment on fait la différence entre des gens bourrés et... C'est simple, on sort, on va voir dehors. Hein. Non, si c'est vrai, ils vont nous attaquer. Ouais, alors, ouais. T'as un meilleur choix, peut-être? Mais t'as passé quoi là? Bah, je sais pas, juste comment ça va les gens. C'est passé ça. Pas d'autre chose. Oui, mais quoi? Je sais pas, un truc sur les flingues. Oui, exact. Ouais. Très bien ça. Non, rien. Non, putain. Non, mais poste un truc vraiment. Crash. Ouais. Chargé. Imagine, c'est d'expérience sociale. Ah oui, j'ai. Vous aussi, virgule, vous vous sentez envahi, point d'interrogation. Ouais, c'est mieux déjà, ouais. Ah, c'est dur. Vas-y, j'ai dit. Ah, ouais, non mais ça tient pas, c'est normal. Imaginez qu'on est vraiment dans votre apocalypse, là, comme vous dites. Bon, ben tout le monde ressent ça et personne réagit. T'es sûr? Même si c'est Arnaud qui poste? Ouais. Putain, mais c'est la fin du monde! Non, du calme, du calme. Là. C'était quoi ça? La sonnette. Hé les choupis, bien dormi? Vous avez vu les torchers là-dehors? Il y a une espèce de foire à la saucisse là dans le village. Il y en a qui ont grimpé sur les pylônes, ils ont arraché les câbles électriques. Il y a plus moyen de téléphoner dans tout le quartier, il n'y a plus de jus nulle part. Moralité, c'est toujours important de garder un bon esprit critique en toutes circonstances.